nothing. Heaven came down and glory filled my soul. Oh. When at the cross my Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day when heaven came down and glory filled my soul. Who sang it when he was in primary school? Bed. I sang it, and the way we used to look at the clock when we were singing it. Nous chantions ce chant à l'école primaire, et la façon dont nous regardions l'horloge pendant que nous la chantions, pour que la chanson finisse rapidement. Because we did not have the kingdom of God. Pour que la chanson s'achève rapidement, parce que nous n'avions pas le royaume de Dieu en nous. The kingdom of God. Le royaume de Dieu. Is love. Joy, c'est l'amour, peace, righteousness, la paix, la joie, la justice. Le leader a commencé son intervention lors de cette 31e soirée en entraînant la communauté dans des actions de grâce et des prières critiques et précises, toutes orientées vers le façonnement et le remodelage de notre environnement intérieur dans ce qu'il appelle le vrai christianisme. Les actions de grâce ont essentiellement tourné autour de la croisade et des croisées du siège jusqu'aux confins de la terre. Il a ensuite invité la communauté à prier pour que Dieu nous encourage tous à le servir d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans le jeûne, le service pratique, l'évangélisation ou tout autre domaine. Cependant, nous ne devrions pas servir Dieu par des motifs cupides à partir de cœurs insatisfaits de ce que nous recevons de Dieu et qui aspirent à l'encouragement et au don. Nous devons plutôt le servir avec noblesse et simplicité de cœur. Nous devons rendre un culte à Dieu en recevant ce qu'il nous donne avec joie, contentement et satisfaction. Le vrai christianisme, a commenté le frère Theodore, ne consiste pas à savoir combien chacun de nous reçoit, mais à avoir un cœur qui adore le Seigneur en étant satisfait de ce qu'il reçoit. Le frère Theodore a ensuite invité les saints à prier pour que Dieu ait pitié de nous et déverse avec puissance son Saint-Esprit sur notre communauté. Il a fait remarquer que lorsqu'il s'agit de recevoir la grâce et les dons de Dieu, c'est une grande offense à l'oreille de Dieu que de brandir ses œuvres. Nous venons au banc de la miséricorde pour implorer le Saint-Esprit, non pas sur la base de notre jeûne, mais simplement sur la base de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Poursuivant avec l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant, le leader a montré à partir de Romains 14, versets 17 à 18 que le Saint-Esprit produit le ciel en nous. Le royaume de Dieu n'est pas un ensemble de règles sensuelles, a commenté le frère Theodore. C'est l'atmosphère du ciel produite dans le cœur par le Saint-Esprit. Cet environnement intérieur se manifeste par le fruit du Saint-Esprit, c'est-à-dire la joie, la paix, la justice et la douceur. Le Seigneur Jésus a dit « Répondez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Qu'est-ce que le royaume de Dieu ?» Le frère Théodore a répondu que c'est à quoi ressemblent les choses lorsque le Seigneur Jésus règne. Le royaume de Dieu s'établit d'abord à l'intérieur et se répand dans l'Église que le leader a appelé les ambassades du royaume. En effet, l'Église n'est pas un bâtiment, c'est le royaume de Dieu dans une communauté de personnes qui n'ont d'autre affinité que leur appartenance au Christ. Par conséquent, si vous coopérez avec le diable pour détruire les relations dans l'Église, vous portez le témoignage démoniaque que le royaume de Dieu ne viendra pas, a souligné le frère Theodore. Mais comme le Seigneur Jésus nous a appris à prier, nous crions « Que ton règne vienne ». Et ce royaume est produit par le Saint-Esprit dans le cœur et dans l'Église, qui sont les ambassades de son royaume dans toutes les localités. À Dieu soit toute la gloire pour ce 31e jour de croisade, RTVC.